Alors, je vous raconte vite fait, vraiment vite fait. Ce matin, on se réveille et en fait, à la base, on devait partir à Strasbourg en voiture. Et du coup, finalement, moi, je me réveille, on était très très fatigué. Et du coup, on décide de partir en train. Du coup, le premier train qu'on devait prendre était à midi. Du coup, on devait partir de la maison à 11h. Et qui dormait encore à 11h? Voilà. Ensuite, on s'est dit, on va le prendre à 14h. Après, on s'est dit non. Et après, on s'est dit, ah, on va le prendre à 16h. Du coup, fixer, prendre à 16h le train. À ce stade-là, il était, je crois, aux alentours de midi. Et du coup, je commence à faire mon montage de la vidéo que j'ai tournée à 3h du matin. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je commence à commencer mon montage à 3h du matin, mon chargeur, littéralement mon chargeur de MacBook que j'ai depuis une décennie, lâche. Voilà, comme ça. Et il faut remettre dans le contexte tout ce qui m'arrive en ce moment avec mes produits Mac. Non mais c'est un délire, c'est un zèle total. J'avais un iMac. Mon premier ordinateur, c'était un iMac. Vous savez, les ordinateurs fixes, ils datent de genre 2013. Donc je l'avais acheté en 2015, ils datent, tu vois. Mais j'ai toujours pris avec moi dans tous mes appartements à Paris et tout. Et je me suis dit, bon, là, il est temps de le vendre, parce que je l'utilise plus trop en vrai. Et j'aimerais quand même le vider avant. Bah, il marche plus. Du coup, on l'a vendu, on a dû le formater. Donc, tous mes souvenirs à l'intérieur du collège, du lycée, tout est parti. Et ensuite, j'avais mon nouvel ordinateur Mac que j'ai acheté, je crois, il y a un ou deux ans, qui aussi a lâché. Comme ça, d'un coup, il s'allume plus. Voilà. Et le dernier qui m'a lâché, c'est le chargeur. Voilà, donc j'en ai commandé un, il arrive demain, mais du coup je serai pas là. Et il fallait absolument que je fasse mon montage. Donc c'est-à-dire que je squatte l'ordinateur de monsieur. Et voilà, donc ça, bref. Ça, c'était la deuxième situation. La Hayatelta. La troisième truc. La petite surprise, la petite cerise sur le gâteau. On prend le scoot. Parce que c'est le seul moyen d'aller super vite. Et moi, j'étais sur mon montage, moi, j'étais en train de tourner. Du coup. Comme à notre habitude, on arrive en retard. Enfin, n'est-ce pas, on arrive en retard, c'est qu'on part de la maison en retard. Du coup, ce qui fait qu'on prend le scoot en retard et le reste est sur la story de Moigno. Et c'est ce qui nous a arrivé une dinguerie avec la police. Maman, regarde pas cette story, s'il te plaît. Ce qui nous a fait rater du coup notre train de 16h et là, on est en train d'attendre le prochain train. Voilà. Have an amazing Saturday. Non, mais en vrai, rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison et peut-être qu'on a évité le pire en se faisant interpeller. C'est... Donc, Hamoulet, toujours prendre les choses sur le bon côté. Il faudrait que je fasse aussi des massages pour mon front parce que ça commence à arriver là. Si j'ai envie de te regarder, chérie, je te regarde et je te lâche pas du regard, d'accord? Tu veux une tartine pour étaler ta vie? Je vais changer de paysage parce que ça pue là.